Salut chers abonnés, salut, 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 joyeux Noël à tous mes abonnés des quatre coins du monde. C'est toujours votre âme serviteur Ritor, que la venue de l'enfant Jésus vous accorde beaucoup de grâce et de bénédictions dans vos activités et dans toutes vos finances. Voilà, actualité oblige, aujourd'hui c'est le jour du concert de Bordeaux Likoufa et je tenais à faire cette vidéo-là avant la montée de Bordeaux Likoufa sur la scène de l'Esplanade du Palais de la Culture. Voilà, je tenais à le faire parce que dans cette vidéo-là, je vais vous passer une vidéo que je vais commenter tout à l'heure et à la suite, dis ce que j'ai à dire. Donc, merci de vous abonner, merci, 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 merci de vous abonner. Désolé pour hier, d'autres ont trouvé que je suis allé un peu trop fort, mais franchement, j'étais très en colère. Et pardonnez-moi, 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 pardonnez-moi. Abonnez-vous, partagez la vidéo et donnez vos avis en commentaire. On se retrouve juste après le générique. Bon retour chers abonnés, sans plus tarder, je vais vous passer la vidéo maintenant, une vidéo de quelques secondes, et après ça, Eric, on va parler. Peut-être que je vais parler un peu fort, ne dis pas trop fort, ne vous inquiétez pas. À tout à l'heure. La sécurité, ça bouge pas, hein? Rousseau, ça bouge pas, non? Comme ils veulent pas donner le sac là, la sécurité, récupérer le sac, allons au bureau. Voilà, chers abonnés, vous voyez bien la vidéo. Certes, je ne cesserai jamais de le dire, notre artiste de Bordeaux, bien qu'il soit humain, parce que c'est l'argument de certains de ses fans et de certaines personnes, bien qu'il soit humain, je pense qu'il n'a pas besoin de se mettre aussi en spectacle, quelle que soit la couleur qui peut l'animer. C'est un grand artiste, c'est un gros artiste, c'est un artiste de calibre. Il doit pouvoir se gérer et régler les problèmes en sourdine. Comme je vous l'ai dit hier, si c'était moi, vous voulez le sac, voici le sac. C'est le sac que vous voulez, voici ça. Une chose est sûre, si j'avais 10 millions dedans, mes 10 millions sont fixes. Mais travaillez-moi là, pendant que les gens sont en train de travailler sur moi là, on ne connaît pas le montant. Donc vous pouvez prendre tout ce que vous pouvez prendre, mais que mes 10 millions et mes 2 iPhone 13 restent dans le sac. Vous me comprenez, non? Notre artiste n'était pas obligé de s'emporter ainsi. Mais ce n'est pas gâté. Ce qui est arrivé est arrivé. Et effectivement, il est humain. Donc, on peut lui concéder ça. On peut lui accorder ça. Même si son titre d'artiste international ne lui permet pas de se mettre aussi en spectacle, de s'emporter autant. Mais, par cette réaction, je pense aussi que De Bordeaux nous donne le savoir que, bien qu'il soit De Bordeaux, bien qu'il a chanté à Périph Yamou qui dit « N'a pas gâté, célébration », tous les hits que vous connaissez. Il reste énorme avant d'être Bordeaux Likoufa. Il reste Patrick Tanguy-Séry. Voilà. Mais c'est pas gâté. Vous voyez dans la vidéo là, la vidéo que je viens de passer là, vous voyez Bordeaux qui est calme. Mais ce qui m'a le plus choqué, c'est que j'ai reconnu son petit frère en question. Quand vous regardez bien la vidéo, il y a un jeune qui est en tricot noir, si je ne me trompe pas. En tricot noir qui est un peu déchiré. On voit son épaule, on voit son dos et tout ça. Voilà, ça c'est le petit frère de Bordeaux. Quand tu le vois, tu sais que c'est un parent de Bordeaux parce qu'il se ressemble comme deux gouttes d'eau. Mais sauf que lui, il n'est pas grande taille. C'est le petit frère de Bordeaux. Son petit, sinon, c'est Bonnet Rouge. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous passe l'info. Donc, Bonnet Rouge, dans la vidéo, a la bite déchirée. Et on voit Bordeaux calme qui cherche à sortir. Peut-être que là, je dis bien peut-être que là, c'est la partie où Bordeaux dit qu'ils étaient en train de lutter, lui, pour prendre le sac, là. Je répète encore, parce que j'ai vu le poste de Estrator. Je ne voulais pas trop parler sur lui, mais j'ai lu son poste. Et puis, je vais lui expliquer encore par A plus B que quel que soit ce qu'il a dit dans son poste là, lui et sa gérance du Fed House ont fait une très grave erreur. Hier, j'étais fâché parce que moi, je suis un gars, je suis un adepte du pardon. Si De Bordeaux veut laisser tomber, il a qu'à laisser tomber. Mais moi, personnellement, là, pour ce que j'ai vu là, je n'ai vraiment pas envie que De Bordeaux laisse tomber ça. Parce que même si vous trouvez un terrain d'entente,
Parce que toi, Estratos, c'est ton vieux péché de Bordeaux. Il faut que le reste, qui se sont permis de dire certaines choses que je vais mentionner tout à l'heure dans la vidéo là, le respecte. Je vous ai dit hier, que celui qui avait le micro là, on sent qu'il a de la haine contre l'artiste de Bordeaux. On sent que c'est comme si j'ai genre, bon, de Bordeaux même, et puis c'est qui? Pourquoi tu l'as invité même? Notre fan house marche bien sans de Bordeaux. Est-ce qu'on a besoin de Bordeaux? Indirectement dans ses propos, c'est ce que je sentais. Que de la méchanceté gratuite. Parce que je ne peux pas voir un artiste de la Côte d'Ivoire qui est respecté dans la sous-région. Et moi-même, au-delà des frontières africaines, tu vas lui dire, même artiste qui est plus que toi. Il n'y a pas artiste qui est plus que artiste. Parce que artiste, c'est selon les échelons. Voilà. Les Nadia Marais qui sont cartonnés, comment là, ils sont rien devant les Américains. C'est comme si il y a certains artistes aussi. C'est comme si tu compares des Bordeaux à Alpha, ou tu compares Alpha au groupe Magic System, ou tu compares au groupe Magic System à Tuk Kenja. C'est pas la même chose. Chacun a son palier, chacun a son étape. Donc il n'y a pas de frustration dans ça. Donc tu n'as rien dit. C'est que de la méchanceté que tu as exprimée. Maintenant, revenons à la vidéo. Vous savez, dans la vidéo, on entend dire. Ce soi-disant gérant ou je ne sais grand fait de Estrator là, dit que si Debordeaux ne donne pas le sac, il ne sort pas, ça bouge pas. Attends, moi je suis un artiste, je presse, on me donne l'argent. Considérons que, écoutez-moi bien, considérons que je dois vous donner quelque chose après mon spectacle, considérons ça, je vous concède ça, oui. Donc moi qui dois vous donner quelque chose, si vous voulez le pourcentage que vous voulez dans le travail que j'ai reçu, qui est dans mon sac avec mes effets personnels là. Écoutez-moi bien, je dois vous remettre mon sac pour que vous puissiez prendre ce que vous voulez dedans. Et vous allez me remettre ce que vous devez me remettre. On appelle ça foutaise, on appelle ça gros manque de respect. Parce que votre seul argument, vous allez dire que vous avez déjà informé Debodo qui devait partager son argent. Il va dire oui, je devais partager l'argent. Mais on ne m'a pas dit que c'est au bureau qu'on devait partager par exemple. Donc je vous ai dit gentiment, accompagnez-moi à la voiture et puis je vais vous donner ce que j'ai à vous donner. Il peut se défendre pleinement avec ça. Les ignorants que vous êtes là, les illettrés que vous êtes là, moi je vous dis ça. Et il faut que cette vérité là sorte avant que Debordeaux monte sur le podium de son spectacle, de son concert aujourd'hui. Parce que vous faites des choses sans réfléchir. C'est pourquoi j'ai dit, Debordeaux aussi il a qu'à laisser. Mais moi personnellement, si c'était moi, il n'allait pas laisser. Votre argent là, votre beaucoup d'argent qui ne finit pas là, on allait voir sans justice. Vous ne connaissez pas ce que c'est la justice. Peut-être ici, peut-être, je ne confirme pas, la justice n'est pas respectée. Sinon, quelque chose des millions qui sont en compte en manque là, on va ruiner ça. On va finir ça. Parce que si le grand acte, il y a des royalties, il y a des milliards de dollars que la justice a confisqué pour dédommager ses victimes là, ce n'est pas vous les plaisantins là, à cause de combien même. Et puis on sait comment vous avez eu votre argent là. Ne nous faites pas parler. Hein. Ne nous faites pas parler. Parce que Dieu nous voit. Mais comme je ne m'intéresse pas de la vie de quelqu'un là, c'est pourquoi il vous laisser dans votre pseudo-richesse là. Voilà, mais je reste digne parce qu'il n'y a pas fait. Sinon, nous tous, on sait ici comment ça a commencé jusqu'à ce devenir fan house. En parenthèse, je continue. Donc, comprenez-moi bien. Oui, on doit partager l'argent. Mais dans quel coup vous devez me brutaliser pour prendre l'argent? Si c'était moi là, j'étais de Bordeaux. Et puis bon, je n'ai pas dit que je ne partage pas l'argent. Je n'ai pas dit ça. Mais si vous voulez m'obliger à me sortir des propos comme quoi, si oh, je ne donne pas le sac. Je ne sors pas là. Voici le sac. Et puis je me débat même pas. Parce que si le sac là c'est pour vous, il n'y a pas de problème. Mais il faut être, entre parenthèses, naïf. Voyez, il n'a pas envie de dire des mots grossiers pour que YouTube censure ma vidéo. Mais il faut être naïf pour croire que, attends, je vais prendre l'effet personnel de quelqu'un. Parce que soi-disant, j'ai mon Dieu dedans. Même si j'ai mon Dieu dedans, là, je dois négocier avec la personne. Que la personne enlève quelque chose, oh, mon Dieu, pour me remettre. Je ne peux pas le brigander pour ça. Je dis bien, même si vous avez convenu que Debordeaux devait partager l'argent avec vous là, voici ce qui vous compromet. Bande d'ignards que vous êtes. Vous ne connaissez rien, vous pensez que la vie c'est devenu j'ai l'argent. Ou bien je n'ai peur de rien. La peur là, c'est juste chez tout le monde. Vous voyez, tu n'as pas rencontré vrai garçon, bien vraie situation devant toi. C'est avec tout ton argent là qui devient petit comme ça. Et regardez vous-même la vidéo. Moi, ils font mon spectacle, ils ont travaillé sur mon 8, puis là, ils doivent donner 10% ou bien 20%. Ah! Donc, c'est vous qui devez prendre le sac et puis vous allez compter l'argent là. Et puis vous allez me donner ce que vous devez me donner. C'est écrit où? C'est écrit où? Cette vidéo là, elle vous compromet. Parce qu'on voit bien le petit frère de Bordeaux qui a son t-shirt déchiré. Parce que simplement, j'ai dit, je ne vous donne pas l'argent là. Vous êtes obligé de me brutaliser pour prendre
mon sac dans lequel contient l'argent que vous voulez prendre. Oui, moi, il y a mon argent dedans. Et puis, dans ce que vous voulez prendre, moi, il y a l'argent aussi dedans. Amen. Déborah s'est emporté, oui. C'est un homme. Il a mal fait, mais c'est un homme. C'est ce que vous retenez. Voilà. Donc, sortez massivement aujourd'hui au palais de la culture pour fêter avec des bandeaux de Goufa. Et puis après, on règle ce problème-là. Évidemment, il énervé qu'il n'y a pas envie de dire des bêtises, il m'a arrêté là. Mais j'espère que je me suis fait entendre. Il a parlé petit, mais ceux qui sont intelligents vont comprendre. À moins que ça se règle à l'amiable. Sinon, ce problème-là, il fallait faire tache d'huile sur vous. C'est Yéritou qui a dit ça. Ciao, ciao.